L'édito a fait sortir de ses gonds de nombreux lecteurs. Dimanche dernier, le journaliste Jeremy Clarkson s'est emparé de sa plume pour déverser sa haine de Meghan Markle dans les pages du Sun, ne manquant pas d'humilier la duchesse au passage. Je la hais, la nuit, je n'arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera honte. Et lui jettera des excréments dessus, écrivait-il. Des propos qualifiés d'outranciers pour bon nombre de lecteurs, qui ont dénoncé la sortie de route de Jeremy Clarkson. Le Sun a alors retiré l'article de son site et de ses archives, avant que l'auteur de l'édito au vitriol ne s'explique sur Twitter. Oh, mon Dieu! J'ai plutôt mis les pieds dans le plat. Dans un article que j'ai écrit sur Meghan, j'ai fait une référence maladroite à une scène de Game of Thrones et cela a mal tourné pour beaucoup de gens. Je suis horrifié d'avoir causé autant de tort et je ferai plus attention à l'avenir, a déclaré le journaliste. S'il existe bien une scène de la sorte dans la série Games of Thrones, les propos de Jeremy Clarkson restent inexcusables pour une large partie du public, si est-ce pourquoi le Sun a souhaité s'excuser publiquement d'avoir autorisé la publication d'une telle chronique. Les opinions des chroniqueurs leur appartiennent, mais en tant qu'éditeur, nous comprenons qu'avec la libre expression vient la responsabilité, a écrit le journal ce 23 décembre sur son site. Nous, au Sun, regrettons la publication de cet article et sommes sincèrement désolés. Meghan Markle, son détracteur étrillé par sa propre fille Jeremy Clarkson a également pu oublier le soutien de sa propre fille, Emily, une podcastée qui fait campagne contre les abus en ligne. Mes opinions sont et ont toujours été claires lorsqu'il s'agit de la misogynie, de l'intimidation et du traitement des femmes par les médias, a déclaré la jeune femme sur son compte Instagram avant d'ajouter, je veux qu'il soit très clair que je suis contre tout ce que mon père a écrit sur Meghan Markle et je continuerai de soutenir ceux qui sont ciblés par la haine en ligne. Ça promet au repas de Noël.